ce mardi 14 septembre 2021, Apple a dévoilé tous ses nouveaux produits pour cette nouvelle année. Et je peux vous dire, ça annonce du lourd. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des nouveaux produits que Apple a annoncés dans les réveils. Avant de commencer, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir pour soutenir cette chaîne YouTube. Voici mon Instagram qui va s'afficher là, vous pourrez vous abonner. Comme vous avez pu constater que mes vidéos sortent pas régulièrement et pas très souvent, c'est tout simplement normal parce que j'ai plus trop de temps pour faire cette vidéo YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, j'essaierai de faire plus de vidéos pour l'arrivée de la nouvelle mise à jour iOS 15. Maintenant, on passe à iOS 15 au lieu de iOS 14.8. C'est la nouveauté sur ces iPhones qui permettra d'avoir une nouvelle fonctionnalité d'iOS et d'Apple, toute la sécurité d'Apple. La puce des iPhones change aussi avec l'arrivée de la nouvelle puce A15 Bionic qui remplace l'A14 Bionic avec un CPU de 6 cœurs pour les iPhone 13 Pro. Ensuite 4 cœurs pour les iPhone 13 et 13 mini. Et bien sûr, la nouvelle puce est équipée de 16 Neural Engine. Tout premier produit que Apple a présenté, c'est tout simplement l'iPad mini. Il a été enfin mis à jour depuis l'ancien iPad mini qui est sorti en 2019, qui apportera un nouveau design, un nouveau format de 8,3 pouces et qui est basé surtout sur l'iPad Air qui est sorti fin 2020 et qui a un excellent design et prix. Et bien sûr, la nouveauté compatible 5G pour ces iPads. Ensuite, deuxième iPad est sorti, c'est tout simplement l'iPad de 9e génération. Toujours avec un vieux design qui date énormément. Mais le gros point fort de cet iPad, c'est tout simplement le prix et la puissance. Il est toujours équipé de la dernière puce A15 Bionic, la plus puissante du monde. Et le prix qui commence à 389 €. Et le prix est vraiment correct pour ce que c'est. Ensuite, une montre qui est sortie, c'est tout simplement la nouvelle Apple Watch Series 7. Avec un design totalement revu. Cette fois-ci, un écran qui remplit toute la face avant. Et les côtés, ça restera pareil. Parce que, à propos des rumeurs, les bords plats, il sortira pas pour cette année. Il y a aussi une nouveauté, c'est tout simplement le clavier qui est disponible sur les Apple Watch Series 7 seulement. Il permettra d'écrire un message plus rapidement, d'avoir un clavier et juste à taper sur les touches, enfin, sur les lettres, pour écrire le message. Revenons à notre titre de vidéo. C'est tout simplement ces 4 nouveaux iPhone 13 mini, 13 Pro, 13, le 13 Pro, 13 Pro Max. C'est ces 4 iPhone 2021 qui ont été présentés par Apple. La nouveauté, c'est que Apple devient encore plus économe qu'avant en enlevant les blisters dans les boîtes qui permettaient de protéger les cartons. Et en 2021, il n'y aura plus de blisters. Et comme d'habitude, toujours pas d'écouteurs dans les boîtes, sauf en France parce que la législation oblige. Mais sinon, dans le monde, il n'y aura plus d'écouteurs fournis. Les premiers iPhones, c'est tout simplement l'iPhone 13 et peut-être l'iPhone 13 mini qui amènent avec eux des nouvelles couleurs. C'est tout simplement du rose, un nouveau bleu un peu plus clair que l'iPhone 12, un minuit bleu très foncé mélangé avec du noir, ensuite la lumière stellaire pour finir, comme d'habitude, les produits peut-être red. Ces iPhones auront un contour en aluminium tandis que les gammes Pro auront un contour en acier inoxydable chirurgical et qui aura que sur les gammes 13 Pro et 13 Pro Max. Ces iPhones arriveront en 3 tailles, tout simplement avec le 13 mini de 5,4 pouces, ensuite sur le 13 et le 13 Pro avec du 6,1 pouces, tandis que le 13 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces. Comme d'hab, tout ce qui fait d'un écran OLED Super Retina XDR avec l'avant renforcé par l'écran Ceramic Shield pour être encore plus résistant. Le changement avec l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 et les gammes Pro se verra au niveau de l'écran. Il y a un nouveau type d'écran qui vient d'arriver sur les gammes Pro, c'est tout simplement Pro Motion. C'est-à-dire qu'il y aura un gros taux de rafraîchissement, on passera à du 120 Hz tandis que les 13 mini et les 13 auront du 60 Hz. Ça permettra d'aller encore plus vite à la navigation et dans les jeux pour son téléphone et pour avoir une meilleure fluidité sur son smartphone. Et ce 120 Hz sera adaptatif, pourra passer à 10 Hz jusqu'à 120 Hz à l'utilisation de chacun. La luminosité
portée maximale des iPhone 13 et 13 mini seront à 800 nits, tandis que les gains pro passeront à du 1000 nits, un peu plus clair, un peu plus puissant aussi, mais ça se verra très peu. Apple a enfin revu ses capteurs photo, qui sont désormais beaucoup plus grands, et les capteurs aussi. Cela va apporter dans les capteurs jusqu'à 92% de plus de lumière sur les photos de nuit, et ce changement se verra surtout sur l'ultra grand angle du capteur. Et le gros changement sur les iPhone 13 mini et du 13 seront les capteurs d'arrière, qui seront placés en diagonale cette fois-ci, parce qu'il y aura un capteur qui bougera, et ça prend beaucoup de temps. Et cette fois-ci, on aura un nouveau capteur, car on a un capteur principal qui dispose de la stabilisation par déplacement du capteur et non plus de la lentille, tandis que ce mode qui avait que l'iPhone 12 Pro Max qui avait l'année passée. Ça permettra d'avoir beaucoup plus de lumière dans les photos de nuit et en mode portrait. Les capteurs de l'iPhone 12 ont un grand angle de 12 millions de pixels ouverture 1.6, ensuite un ultra grand angle de 12 millions de pixels avec une ouverture de 2.4 avec un zoom optique de x2. Ensuite un capteur avant avec Face ID 12 millions de pixels. C'était tout ce qu'il y a à dire sur ces iPhone 12 13 et les 13 mini. On passe maintenant à les gammes Pro. Sur les gammes Pro, cette fois-ci, on n'aura que deux iPhone, le 13 Pro et le 13 Pro Max. Cette fois-ci, ils seront les deux identiques par rapport à l'année passée, parce que l'année passée, il n'y avait que le 12 Pro Max qui avait un changement par rapport au 12 Pro. C'était tout simplement le capteur qui bougeait. Sur le 12 Pro, il n'y avait pas. La nouveauté, c'est tout simplement l'arrivée des photos macro disponibles que sur les iPhone Pro, qui sera disponible que sur le ultra grand angle. En fait, ce sera automatique et on pourra prendre des photos à 2 cm de l'objet qu'on veut prendre. Grâce au capteur LiDAR, on aura encore des photos de meilleure qualité et un contour meilleur. Parlons maintenant des capteurs des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Tout simplement, on aura un téléobjectif 77 mm, 12 millions de pixels, ouverture 2.8 avec un zoom optique x3 cette fois-ci et plus de x2 comme on avait sur les anciens modèles. Ensuite, un grand angle de 12 millions de pixels, ouverture 1.5. Ensuite, un ultra grand angle de 12 millions de pixels, ouverture 1.8 avec un champ de vision de 120 degrés. Ensuite, tu as toujours le capteur LiDAR. Le capteur Face ID de 12 millions de pixels chacun. Comme sur les anciens, on aura toujours la nouvelle fonctionnalité Apple Pro Pro qui permettra d'avoir plus de détails dans les photos pour mieux retoucher les photos avec ce mode Pro. Maintenant en vidéo, on a tout simplement un nouveau type de fichier, c'est tout simplement l'Apple Pro RES. C'est tout simplement comme le Pro Raw sauf en vidéo. On aura plus de détails dans la vidéo lors de la retouche et ça pèsera plus lourd. Les vidéos normales. Comme ce type de fichier va beaucoup peser sur le téléphone, on pourra que filmer en 1080p 30 fps que en 128 Go, mais après au-dessus de 128 Go on pourra filmer en 60 fps. La caméra arrière, on dispose un zoom optique x2 que l'on trouve aussi un zoom optique x3 à l'arrière, un zoom qui peut aller jusqu'à x15 au lieu du x10 qu'on avait sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. L'autonomie s'améliore sur tous les modèles comme d'habitude. Sur les 13 mini, on passe à 1h30 de plus que l'iPhone 12 mini. Pareil sur l'iPhone 13, on passe aussi à 1h30 de plus que sur l'iPhone 12. 2 heures de plus d'autonomie sur l'iPhone 13 Pro, ensuite 2h30 d'autonomie de plus sur la gamme 13 Pro Max. Là, votre téléphone tiendra bien sûr toute la journée. Le prix commence sur le 13 mini à 809 €. Ensuite sur l'iPhone 13 à 909 €. Ensuite sur la gamme Pro, le 13 Pro, on commence à 1150 €. Ensuite sur la gamme Pro Max à 1259 €. On peut aller à 1759 € avec 1 Tera de stockage. C'est vraiment énorme, il faudra vraiment les remplir ces 1 Tera. Mais après ça peut aller vite, je pense, avec le type de fichier, le Pro RES. Je pense qu'avec les 1 Tera, vous pourrez les remplir. Mais il faut quand même, n'hésitez pas à écrire en commentaire quel iPhone vous aura plu le plus, ou le modèle, vous pourrez dire en commentaire, ou les autres produits, par exemple l'iPad ou l'Apple Watch. N'hésitez pas à écrire en commentaire quel produit vous a plu le plus. Pour moi, c'était tout, j'ai tout dit dans cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Excusez-moi, manque de vidéo. Et donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager
et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et dans cette vidéo, j'ai tout dit ce qu'il y avait à dire sur de l'événement d'Apple 2021 qui a eu lieu le 14 septembre 2021. Du coup, moi, le produit que j'aimais le plus, c'est tout simplement l'iPhone 13 Pro. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements, surtout sur la face avant Face ID qui est plus petit, avec l'encoche qui est encore plus petite de 20%. Et ça peut faire le changement avec un iPhone. Pas le plus gros certes, mais après il y a aussi les capteurs qui sont encore plus gros. Et ça permettra d'avoir encore des photos de meilleure qualité et surtout en mode de nuit. Du coup pour moi ça a été tout dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était RG Tech, à la prochaine.